Salut, c'est Subdétection, j'espère que ça va pour toi. Aujourd'hui, on se retrouve à Rome pour la présentation du Gareth Vortex. Donc, on va à un événement, on va voir comment ça se passe. J'aurai sûrement du contenu à vous partager du week-end. Donc, je vais essayer de faire une vidéo. Peut-être pas où je détecte en première personne, mais au moins, il y a la présentation du Gareth Vortex. Et je vais vous les expliquer un peu en détail et tout ça, les fonctionnalités. Voilà, je suis arrivé sur le parking du Detect Italia. Donc, il y a un rallye qui s'organise ici aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais participer, mais je vais aller à la Tour de Garrett et rejoindre l'équipe. Là, je suis avec Anemic, avec Iron Mike et Sophis. Et je suis avec Dada. Bon, je suis juste devant l'événement. Je n'ai pas encore vu, je ne suis pas encore rentré. Donc, je vais voir ça avec vous. Franchement, c'est magnifique en tout cas. C'est génial, c'est trop beau. En Belgique, pour l'instant, il fait 15 degrés. Ici, il fait 37. Pas encore maintenant, mais hier, il faisait 37 degrés. Donc, on va aller voir ça. C'est magnifique, en tout cas. Je pense qu'on va se diriger vers la tente Garrett. C'est ce que je dois faire. J'ai rendez-vous là-bas. Ici, c'est inscription, à mon avis. Il y a déjà pas mal de monde, hein. Il est 8h du matin, donc il y a encore des gens qui vont arriver. Et là, c'est tous les inscrits. L'événement est là. Bon, alors, je suis avec Anemic et on va aller à la Tour de Garrett. Donc voilà, youtubeuse hollandaise. Il y a Roynman qui est ici. Il y a son fils qui est là. Ça a l'air pas mal, hein. Là, je vois du bleu, donc il y a déjà la team Garrett là-bas, avec Vortex. Voilà l'événement. Et il y aura des recherches de jetons. Ah bah, je vois du bleu, donc je vais rejoindre l'équipe Garrett, qui a déjà Vortex sur place. Je vois Roberto, je vois Ariana, je vois Mattia. Donc bah, c'est cool, c'est mes amis. Ils font partie de chez Garrett aussi. Et, bah, c'est cool de les voir, de les rencontrer et tout ça, de les revoir. Donc on va aller là, on va aller près de Roberto, près d'Ariana et tout ça. Et puis voilà. On va aller rejoindre la team Garrett, on va leur dire bonjour. Ah, c'est cool, ça fait plaisir de les revoir. Donc voilà, ici, c'est tous des membres de la team Garrett. Il y a mon ami Mattia, il y a Ariana, donc voilà, il y a Leonardo. Donc ça fait super plaisir, voilà, toute l'équipe Garrett. C'est cool, on va passer un bon moment. Bon, voilà, les retrouvailles sont faites. Je vous retrouve pendant l'événement. Je vais filmer un maximum l'événement et tout ça. Voir si je participe ou pas. Et bah voilà, on se retrouve sur le terrain. Alors, je suis ici dans la tente Garrett et j'ai pu présenter le Garrett Vortex ici, que j'ai en main, avec la boîte qui est magnifique. Franchement, je l'adore, je la kiffe. J'espère en avoir le plus vite possible parce que j'ai déjà eu l'occasion de le tester, mais bah, il n'y a que 4 ou 5 prototypes pour l'instant, donc je ne pense pas revenir avec en Belgique, mais bon, voilà, je vais sûrement l'utiliser aujourd'hui pendant le rallye, je vais le recharger. Merci à Detector Shop de m'avoir fourni tout le matériel sur place, car bah, voilà, j'ai tout l'équipement en Italie et ça fait plaisir, donc je n'ai pas besoin de prendre ça avec moi. Et voilà, allez, on se retrouve après. Voilà, alors j'ai une bonne nouvelle, je suis dans les tentes Garrett pour le moment et j'ai un Garrett Vortex et j'ai reçu les deux tickets. Le vert c'est pour le rallye et le blanc c'est pour les terrains. Donc je pense que j'aurai l'occasion de pouvoir faire un peu de recherche, donc je vous partage ça et je vais tester le Garrett Vortex sur le terrain. Allez, c'est parti, je suis avec l'équipe Garrett, j'ai un Vortex VX9.
donc la meilleure version. Et on va aller tester dans les terrains et voir ce que ça donne. C'est cool. Voilà, je suis dans le premier terrain avec le Garrett Vortex. J'ai la version VX9. On va voir comment ça se passe. Alors ici, je vais changer le mode. Je vais le mettre en standard. La sensibilité à 6. Le volume du fer, je le ralentis. Je le mets à 0 et c'est parti. On va voir pompage de sol. Et c'est parti. On va passer l'entrée parce qu'il y a peut-être des crasses. Allez, on est parti les gars. La sensation du balayage est vraiment agréable. Ça donne plus de légèreté au détecteur. J'ai eu l'occasion de le tester il y a 2 mois, mais il n'était pas encore mis à jour. Et là, ils ont quand même mis à jour, donc on va voir comment ça se passe. Les terrains en Italie pour détecter, c'est exceptionnel. Ici, nous sommes à Rally. Le balayage est exceptionnel. Je n'ai pas encore un son. Mais vraiment, ça le fait, quoi. On va essayer. Je vais essayer quelques lignes. Et dès que j'ai un son, je vous reprends en direct. J'ai un premier son ici. À 65. Il varie un peu, donc on va aller voir. C'est mon premier son aujourd'hui. Ah, la terre est super dure. Et je suis en croups. C'est de ma faute. Ici j'ai un super son 66-67, un peu comme l'euro de tout à l'heure, mais je ne suis pas sûr. C'est peut-être... Ah ouais, ça... C'est enfoncé, mais c'est très dur de creuser, donc on va essayer. En tout cas, c'est un très joli son. Ok, il est toujours là. Je me demande même comment les gens ont passé ce son-là, parce que eux creusent depuis le matin dans ces terrains-ci. Nous, on avait autre chose à faire. Et après-midi, on vient un peu tester. Ouais, donc c'est là. Voyez comme c'est dur à creuser. C'est toujours dedans. Bon, moi c'est pas une monnaie qui a été déposée ou quoi, ça c'est sûr. Je vois du verre, mais est-ce que c'est ça ou pas, je saurais pas dire. Ah si, peut-être un éclat d'obus. Ah, c'est un éclat d'obus. Voilà pourquoi ça sonnait aussi bien. C'est dommage, mais c'est un son à ne pas passer du tout. C'est cool. Alors je suis ici en train de creuser un trou. J'ai eu un bon signal, mais on est venu m'aider parce que ça fait 30 minutes que je vais tester. C'est ici, mais c'est super enfoncé et franchement c'est chaud, quoi.
Ok. Trash. Piece of shit. De la merde. Trash. J'ai essayé de faire attention au vent, mais je vous assure que ça fait du bien. Donc voilà, j'ai creusé deux crasses à côté des ambulanciers qui sont venus regarder un peu avec moi. Et ici, ils sont en surface, 66 fixes, et peut-être qu'ils ont déposé des monnaies récentes et tout ça, parce que c'est très très dur de creuser. Et là, je fais 1 euro. Donc voilà, c'est sympa. Donc on continue, on aura quand même une version, enfin un test en tout sur la plage. Et voilà, donc voilà. Alors nous voici pour le deuxième jour des Tech Italia et bah voilà, on aura passé un super moment, on n'aura pas eu beaucoup de temps pour détecter, mais j'ai une super bonne nouvelle, je reprends le Vortex en Belgique, donc voilà, j'aurai un maximum de contenu à vous partager, je vais vous présenter la machine, je suis vraiment super content, il n'y aura pas beaucoup de contenu dans la vidéo en termes de trouvailles et tout ça, mais je suis vraiment content d'être venu à Rome, donc voilà, je vous partage tout ça. Thank you.